Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Je ne parle plus vos choses. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station. Et maintenant avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tu as bien passé les vacances? Oui, ça s'est bien passé. Tu as la forme? Ça va, c'est tranquille. Et vous, ça va? Oui, oui, nous, ça va. Nous, psychologiquement, est-ce que psychologiquement, ça va? Ça va, psychologiquement, on est stable, ça va. C'est toi qui dis aujourd'hui que psychologiquement, on est stable, alors que tu as dit que personne n'est stable psychologiquement. Non, quand je dis on est stable, ça veut dire on a quand même la forme, on a la force de se lever, c'est bon. Mm-hmm. On a le fil de nos idées, donc on est stable. Est-ce qu'un être humain peut être totalement psychologiquement stable? Non, il ne peut pas être psychologiquement stable. Parce que même lorsque tu parles avec quelqu'un, tu peux penser à autre chose. Il y a forcément quelque chose qui te trouble. La stabilité, c'est comme la perfection. Mais il y a les gens qui font la concentration, le bouddhisme, ils sont là, ils vont... Leur cerveau est posé. Oui, le cerveau est posé au moment où il le fait. Après, quand il sort de cette méditation-là, il passe à autre chose. Il doit régler les problèmes du quartier. Voilà. Il y a la famine dans le monde, il y a ceci, ceci, il faut organiser les collègues de nourriture et tout. Tu vois que... Après, il y a d'autres soucis. Il n'est pas forcément stable. C'est juste au moment où il fait sa méditation, il se concentre sur l'objectif de sa méditation. Est-ce qu'il y a des psychologues qui étudient les actes meurtriers? Des quoi? Des meurtriers, en fait. Genre, un psychologue, il décide, bon, lui, il a tué, je veux savoir pourquoi il a tué. Elle n'a pas regardé Mindhunter. Oh, mais non. Tu n'as pas regardé la série, aux États-Unis, il y a des spécialistes. Mais les tueurs en série. Voilà, les spécialistes en tueurs en série. Comment je peux être spécialisé pour les tueurs? Regarde. Les profilers au FBI, c'est des spécialistes, des tueurs en série. Ce sont des psychologues. C'est ce dont tu parles là. L'histoire du FBI. L'histoire des profilers dans le FBI. C'est Mindhunter, c'est sur Netflix. C'est une très belle série. Oui, j'ai regardé un épisode. Tu as regardé, non? Ouais. Faut suivre ça jusqu'à la fin. Tu verras, c'est très très intéressant. Tu verras à quel point le FBI est parti dans la tête des gens pour comprendre qu'est-ce qui peut provoquer les sociopathes, les psychopathes. Mais ils n'ont pas réussi. Samantha, tu peux pas, plus qu'il y a encore les gens qui naissent tous les jours. Directement. Samantha, est-ce que tu as déjà discuté avec quelqu'un qui a commis de graves accusations, de graves actes? Là, ça dépend du type d'acte dont il s'agit. Je ne te dirais pas que j'ai déjà discuté avec un assassin ou, je ne sais pas, un violeur ou... si on va dans les extrêmes, mais j'ai déjà discuté avec des personnes qui ont eu à commettre des actes mineurs, en fait. Oui, j'en ai déjà discuté. Est-ce qu'à l'UOB, là-bas, on vous apprend, on vous met, vous faites les stages, vous discutez, en psychologie, vous avez des stages de... dans ce genre de domaine-là, discuter avec des personnes qui ont des problèmes psychologiques? Effectivement. En fait, le stage dépend de... Est-ce que le prof lui-même, il n'a pas un problème psychologique? Tout le monde a des problèmes psychologiques. Mais non, par rapport au stage dont tu parles, je dirais que le stage, il est orienté par rapport à ton objet d'étude. C'est toi qui choisis ton objet d'étude. Si je décide aujourd'hui d'étudier le profit des criminels, j'irai à la prison centrale parce qu'ils sont là-bas pour savoir un peu comment ça se passe, si j'ai besoin d'étude. En fait, c'est en fonction de ton sujet d'étude. Mais toi, ton sujet d'étude? Bon, moi j'ai plusieurs sujets d'études, donc... Comment ça, tu as plusieurs sujets d'études? Moi j'ai plusieurs sujets d'études, mais pour le moment... Donc tu vas faire plusieurs doctorats. Non, mais le principal. Je ne ferai pas plusieurs doctorats, mais pour le moment, je suis au niveau du CTA, j'étudie un peu comment se comportent les personnes atteintes du VIH, etc. Et comment... Et tu as déduit quoi? Déjà, depuis que tu as... Je ne suis qu'au début, en fait. Je ne peux pas déjà donner des conclusions définitives. Non, pas des conclusions, mais des observations. Oui, il y a beaucoup d'observations. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la maladie. Il y a des personnes qui ont du mal à aboutir, qui ont du mal à terminer leur traitement. Comme on a aussi des personnes qui sont fortes, qui assument leur maladie, qui prennent leur traitement normalement, qui suivent les recommandations de leurs médecins, etc., etc. Et ils vivent tranquillement. Ils vivent tranquillement. Autant il y a des personnes qui acceptent, autant il y a des personnes qui n'acceptent pas. Mais pourquoi quelqu'un n'accepte pas d'être malade? Alors qu'il l'est. Parce que, vous savez, ça dépend d'abord de la pathologie. Si, par exemple, je souffre du palu aujourd'hui, je peux dire que c'est...
on peut dire que c'est un peu mineur en fait. Mmh. C'est-à-dire tout le monde peut souffrir du palud, je vais voir le médecin ou je peux ne pas aller voir le médecin. Je prends les Feralgan, je prends le Coartem, etc. etc. C'est je des sais exemples, ce n'est hein, oui. pas les médicaments qu'il faut aller prendre. Parce que vous allez dire que Samantha a dit à la radio d'aller prendre les Feralgan. Voilà, je ne suis pas médecin, c'est juste un exemple, d'accord. Je sais au bout de 3 ou 4 jours, je vais aller bien. Mais par contre, le VIH, lorsque on a été au courant de cette pathologie-là en Afrique, on a reçu de mauvais conseils, en fait, de mauvaises appréhensions. C'est-à-dire, c'est la maladie de la honte. Si j'ai le VIH, je serai forcément rejetée par la société. Même mes parents vont me rejeter. Je peux perdre mon boulot, etc., etc. Donc, il y a des gens qui ne sont pas forcément fortes psychologiquement pour accepter cette maladie. Donc, c'est le rôle du psychologue, du médecin, des assistants sociaux. Et de la société aussi. Voilà, effectivement, et de la société. D'aider la personne à accepter la maladie et de suivre son traitement. D'accord. Okay. Voilà, parce qu'il y a la famille aussi qui joue beaucoup dans ça. Mais il y a d'autres maladies, genre les gens qui sont anorexiques et qui ne savent pas ce qu'ils sont. Oui, effectivement, effectivement, parce qu'on a deux formes d'anorexie. Hein. On a deux formes d'anorexie. Non, je n'ai pas anorexie. Moi, j'ai parlé de toi. Est-ce que j'ai cité son nom? Pourquoi tu me regardes? Donc, il y a autant de pathologies. Il y a des pathologies qui sont plus graves que le VIH, par exemple. Ouais. Mais les gens ayant reçu une appréhension, bon, des mauvais conseils. Moi, je me souviens quand j'étais... Une mauvaise communication. Voilà, lorsque j'étais petite, il y avait une publicité qui passait à la première chaîne Gabon Télévision, dans laquelle il y a une dame qui arrivait. Donc, la maman disait à ses enfants, enlevez-moi les assiettes, les cuillères. Oui, tout oui, ça, oui, vous voyez oui, la publicité. Oui, bon, oui. Si moi, aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, donc, si je suis atteinte du VIH... Une mauvaise communication. Voilà. Si je suis atteinte du VIH, ça veut dire que même ma famille va me rejeter. Oui. Comment je vais annoncer à mes parents que je suis atteinte du VIH? Vous voyez, autant de questions. Donc, il ne suffit pas seulement au psychologue de jouer son rôle, à l'assistante sociale ou au médecin, mais la famille aussi doit jouer son rôle. Mmh, d'accord. Quel sera notre programme cette année dans ta rubrique? Alors, il y a des innovations. Voilà, pour le retour du Dafresh Morning. Mmh. Voilà. Donc, la rubrique change de nom maintenant. Cette année, elle va s'appeler le canapé du psy. Donc, les auditeurs auront l'occasion d'échanger avec nous. Ils vont décider des thèmes dorénavant. Mmh. Donc, je ne vais plus choisir les thèmes. Jean-Paul pourra décider d'un thème. Si je décide que voilà, ça me plaît, on va débattre sur ça. Ah, finalement, ça doit te plaire. Oui. Non, mais là, c'est pas quand normal. Quand j'ai dit ça doit me plaire, ça veut dire que 600 personnes envoient des thèmes. Je ne peux pas discuter des thèmes des 100 personnes. On prend le thème le plus pertinent qui coiffe un peu tous les 100 thèmes et puis on discute sur ça. Exactement. Je ne peux pas prendre les 100 thèmes quand même. On fait comment? On a des plages horaires à respecter. Il y a le temps. On ne va jamais terminer. Est-ce qu'on peut développer sa force psychologique seule? Oui, c'est possible. À Highlander. C'est possible parce que en fonction des situations que nous traversons dans la vie, en fonction des difficultés que nous traversons, je peux prendre la résolution d'être plus forte que ça, en fait. Il y a des techniques. Oui, il y a des techniques. Il y a des techniques. Si je décide, si par exemple, je suis dans un milieu où il y a beaucoup de bruit, d'accord, et que j'ai envie de me concentrer sur un travail, qu'est-ce que je fais? Je fais un vide dans ma tête. J'oublie le bruit, en fait. On dit, on se met dans une bulle. Voilà, je suis dans une bulle. Tu vois que c'est déjà une technique. Mm-hmm. Voilà, il y a des techniques. C'est la même technique. J'ai regardé, il y a une chaîne YouTube que je suis beaucoup, Arte, mais ils ont beaucoup de thématiques. J'ai regardé une émission de 4 minutes là où les filles qui avaient été violées parlaient de la déconnexion. Voilà, c'est comme ça, c'est la même technique. Voilà, genre, elles se déconnectent au moment où le violeur monte sur elles. Voilà. C'est comme si elles n'existaient plus, quoi. Effectivement, c'est un peu ça. Mais c'est une technique qu'on apprend ou bien ça arrive parce qu'on est en face de la brutalité et tout ça. En fait, c'est le corps, on appelle ça des mécanismes de défense. C'est le corps qui développe ces mécanismes pour se défendre d'abord. D'accord. Donc, je peux développer un mécanisme sans pourtant être consciente que je suis en train de le faire. Mais c'est pour me protéger, moi. Mm-hmm. Maintenant, après, il y a d'autres mécanismes qu'on peut apprendre. Mais sinon, le corps lui-même, à la base, il se défend d'abord. C'est comme les défenses immunitaires. Lorsque le virus arrive, vous voyez que les défenses se mettent en place pour neutraliser le virus. C'est le même procédé. Samantha, je ne dis pas que c'est le cas. Je prends juste un exemple. Est-ce que quelqu'un qui se suicide n'est pas assez fort psychologiquement? Il y a deux cas.
Je dirais oui et je dirais non. Pourquoi? Parce que déjà, le suicide peut être considéré comme une forme de faiblesse. Quelles sont les raisons qui ont poussé la personne à se suicider? Avant de parler du suicide, on va d'abord prendre en compte les facteurs qui ont poussé la personne à se suicider. Quels sont ces facteurs-là? D'accord? Je vais étudier ces facteurs et je vais essayer de comprendre la portée, en fait, de l'acte du suicidé, s'il faut le dire ainsi, oui, d'accord, oui, parce qu'il ne peut plus se lever pour dire que je me suis suicidé parce que. Ils peuvent être forts mentalement, mais dire que je me suicide parce que ce sera peut-être une libération pour ma famille, ce sera peut-être une libération pour X ou Y ou par rapport à X ou Y situation, d'accord. Donc du coup, il y a autant de facteurs. On ne juge pas un problème à la conséquence, mais on essaie d'abord de remonter à l'origine. Voilà, ça, c'est le travail des psychologues. Vous pouvez aussi nous manipuler. On vient te dire que non, dans ton enfance, tu as vécu une situation qui fait que aujourd'hui, non, mais c'est faux des fois. Ça me rappelle un film, j'oublie le titre, oui, où il y avait un voleur vraiment qui avait, il a dérobé un tableau. Mmh. Et au moment où il allait cacher le tableau, en sortant de sa cachette, il a fait un accident, il a perdu la mémoire. Et donc, les gens qui ont monté le coup avec lui, qui ont besoin de savoir où est caché le tableau de maître, vont aller le prendre et l'emmener chez un psy, et qui est spécialiste de l'hypnose, pour travailler sa mémoire, pour qu'il puisse se rappeler, remonter jusque là où il avait caché. C'est pas la technique de la cuillère, là? Non, ouais, c'était non. Ça, c'est... Moi, le plus grand film de perte de mémoire que j'ai regardé, c'est le film d'Ingar. Sa femme avait perdu la mémoire. Il devait la reconquérir. Donc tous les matins, il écrivait. Il ne voulait pas laisser tomber du tout, quoi. La femme a beau lui dire non, je me rappelle pas de toi, il faut que tu laisses tomber. À un moment, elle est même partie. Le gars a dit bah, il faut que. Il s'est remarié avec une femme qui ne se souvenait pas de lui. Ouais. Ça, ce film-là m'a vraiment... Mais d'après, c'est pas tous les matins, il faisait une vidéo. En fait, quand elle se levait, elle regardait la vidéo. Donc, du coup, elle n'arrivait pas à se rappeler, mais elle avait quand même des fragments. Elle se disait que c'était manipulé, que c'était des montages vidéo, qu'on avait pris son visage, qu'on avait mis et tout. Même son enfant, elle ne se rappelait pas. C'est un truc dingue. Et on peut perdre la mémoire comme ça. Oui, mais Pourquoi je perds la mémoire quand j'ai bu? Oui, il y a des phases de perte de mémoire quand on a bu. Mais justement, quand on est ivre, le taux d'alcool a dépassé les limites, d'accord? Il y a des moments, on ne peut pas dire que tu perds la mémoire. Je crois que tu as des flashs. Tu as quand même des flashs. Tu n'as aucun flash. Tu es KO. Mais là, au moins, tu sais à quoi c'est dû. Non, je ne sais pas. Là, au moins, tu connais la cause parce que tu as dépassé le taux d'alcool que ton corps pouvait supporter. C'est pas vrai. Si j'arrive à comment j'arrive à conduire et je rentre chez moi sans casser ma voiture. Oui, oui, c'est ça. Il y a même des individus mal intentionnés que je dépose. Tu ne dépasses pas ta limite, c'est un réflexe. Tu sais conduire, tu sais que pour manger, même si tu as les yeux fermés, j'apporte ma main au niveau de la bouche. Mais oui, ça devient un réflexe à ce moment-là. Mais pourquoi j'oublie les autres? Regarde, est-ce que tu sais que j'avais vu une étude aux États-Unis qui disait que plus de 90% des chauffeurs, lorsqu'ils faisaient de longs trajets, il passait un tiers du trajet à dormir au volant sans s'en rendre compte. Tu vois, non? Donc, quand tu dépasses, par exemple, 2 ou 3 heures de conduite, la fatigue, là, fait que par moment, en fait, tu t'endors. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Que tu as dormi. Oui, que tu dors. Tu as des flashs, tu as des moments de sommeil comme ça, de micro-sommeil et d'éveil, puis sommeil, puis éveil. Ils ont mis des capteurs sur la tête des individus avec des caméras qui filmaient le gars tout le long du trajet. Les gars, là, ils n'ont pas bu. Hein? Les gars, là, ils n'ont pas bu. Non, mais ça peut aussi arriver quand on boit. Parce qu'on connaît sa voiture. Tu connais le trajet qui te mène chez toi. Tu connais comment conduire ta voiture. Effectivement. Et donc, ça, tu as des petites périodes comme ça, là, où tu n'es pas de stabilité, parce que même chez toi, tu connais le plan de ta maison, même dans le noir, tu sais que là, il y a un canapé, là, il y a un verre, là, il y a ceci, cela. Même dans le noir, tu arrives à te déplacer dans la maison, tu expliques ça comment?
C'est parce que dans la tête, tu as déjà emmagasiné toutes ces informations-là. La conduite, c'est pas... Tu es allé à auto-école, tu as appris à conduire, tu as assimilé ça. Donc, c'est pas... Quelque chose que tu fais tout le temps. C'est déjà dans ton inconscient. Voilà, en fait, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on vient te mettre dans la tête et puis qu'on enlève ou que tu dois réapprendre. Ouais. Tu sais déjà le faire. Donc, du coup, pourquoi quand tu es Yves, tu arrives à reconnaître certaines personnes qui sont en face de toi? Des personnes que tu as l'habitude de voir. Donc, quelque part... C'est déjà dans la tête, en fait. Tu ne perds pas la mémoire en tant que telle. Mmh. Tu as juste des flashs. Merci, Samantha. Donc, on va commencer notre rubrique la semaine prochaine, c'est ça? Oui, la semaine prochaine. On sera ensemble la semaine prochaine pour parler des questions de psychologie dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.